NN1. Marilyn Monroe. Une diva, une star, un sex-symbole, le pouvoir, le sexe. Un homme est un esclave pour elle. MM2. Grudzinka, une sorcière, une créatrice, une actrice, une femme infernale. La conscience, l'expiation, l'art. Un homme est un alter ego ou une partie indispensable pour elle. MM3. Norma Jean Baker, une femme simple, une mère, une fille, la famille, la maison, la simplicité. Un homme est un père pour elle. Oui, oui, c'est vrai. Vous tous, vous êtes réunis ici pour le même but. Pour m'admirer. Pour m'aimer, pour m'adorer, pour devenir fou de moi, seulement pour moi. Les hommes, présomptueux, sérieux, que vous êtes futiles. Vous êtes une biomasse amorphe, que l'on peut diriger si facilement, que c'est facile de diriger la foule. Les instincts grégaires sont apparentés avec les instincts sexuels. On n'a pas besoin de penser, ni pour les uns, ni pour les autres. Mais c'est justement ce que vous voulez. Je suis votre contrepoison. Pendant que je brille, il n'y a pas à penser. Et c'est possible de ne pas se souvenir de la guerre, de la mort, du monde détruit. Je suis votre fête infinie. Une panacée de la pensée qu'il y a déjà longtemps que l'enfer est venu. Je vais briller sur un lieu d'incendie, des vies cassées, des espoirs brisés et de déceptions éternelles. Mes armes sont plus humaines que les moyens de ceux qui gouvernaient au début du siècle. Je suis une femme. Je ne veux pas me compromettre avec ces armes sales. Mon arme n'est pas moins efficace. Des plumes, des robes, une laque. Un rouge à lèvres, des talons hauts, une lingerie correcte, un sourire stupide. Et vous allez faire ce que je veux. Encore un rôle d'infirme. Jouer ce que tu méprises le plus, ce de quoi tu t'enfuis toujours. Une victime de l'image. C'est moi. Qu'est-ce que c'est ? C'est une responsabilité trop grande, tromper le monde entier. Je suis la seule qui porte en moi-même le mal des catastrophes que nous avons vécues. J'ai amassé toute la douleur de la civilisation dégénérée pour leur donner la possibilité de vivre encore dans ce conte absurde. À l'intérieur, je suis couverte de plaies cuisantes. Je peux, je dois jouer moi-même pour revenir à moi-même. Celle qui souffre plus qu'une autre, mais à laquelle personne ne croira. Oui, je suis une pécheresse et beaucoup plus que les autres. Oh, beaucoup plus. Mais sans péché, on ne se repent pas. Ce n'est qu'au travers de la douleur extrême que je me retrouverai moi-même et l'amour. Oui, je réveille dans les hommes l'instinct le plus bas, oui. Je suis une sorcière, mais je suis la seule qui peut offrir de l'amour sublime et bienheureux, et puis accepter les supplices connus seulement de moi. Je porte cet amour comme une sainteté, un renouvellement. Je suis la seule qui donne cet amour, comme une mère, comme... Maman ! Où es-tu ? Maman ! C'est la voix de qui ? Est-ce que c'est moi qui appelle celle-là qui n'existait pas avec des yeux de verre ? Où est-ce vous ? Mes 30 enfants tués qui m'appelaient, moi qui suis devenue une femme pour tout le monde et une mère pour personne. Papa ! Où es-tu ? Mais pourquoi m'as-tu quittée ? Oui, je ne suis pas belle, je ne suis pas intelligente, mais est-ce que je n'ai pas le droit ? Sans famille,
j'ai réussi à tuer mes parents, je ne dois plus rien à personne, oui, mais je continue à tuer un parent dans moi-même, chaque fois, avec chaque enfant. Je veux revenir en arrière, en cette chaleur. Ai-je le droit de donner la vie nouvelle dans ce monde qui s'est répandu comme une poussière? Puis-je revêtir un homme nouveau aux souffrances? Et où est celui qui sera avec moi jusqu'à la fin de cette lutte? Le médicament? Où est le somnifère? Où est mon somnifère? Le médicament? Où est le somnifère? C'est moi qui suis votre somnifère. Où est mon somnifère? Où les hommes qui me désirent? Moi qui veulent s'oublier? Pour les hommes qui me désirent? Maman! Où est mon somnifère? Et le père? Maman! Prenez-moi avec vous. Pour les hommes qui me désirent? Prenez-moi avec vous. Chez vous, j'ai peur. Maman, je ne peux plus. Où es-tu? J'en ai marre de mon médicament. Prenez-moi avec vous. Chez vous, j'ai peur. Il n'y a plus rien. Je ne peux plus, je n'ai pas envie. Donnez-moi mon médicament. C'est pour moi, j'en ai assez. Ici, au fond, il n'y a plus rien. Il faut aller au fond. J'ai souffert assez pour aller plus loin. Où es-tu?